Quelle joie! Oui, quelle joie de vous voir si nombreux, nombreuses, pour cette soirée d'hommage et de remerciement. Thank you for coming out this evening for this special event. Je vous invite maintenant à vous lever pour la procession d'entrée et à vous joindre au chant. Jubilez, criez de joie! Thank you.
Bonsoir à tous. Bienvenue à cette belle célébration, avec des délais qui varient peut-être d'un à l'autre. Vous êtes réunis ce soir pour souligner, rendre un hommage à M. le cardinal Jean-Claude Turcotte et remercier Mgr André Gazaille pour le fidèle et loyal service. Je remercie particulièrement pour leur présence tous les responsables des autorités civiles, Mgr Son Excellence le maire Tremblay, tous les... On appelle ça des formations professionnelles. Alors, les amis de la société civile également, les amis du cardinal et de Mgr Gazaille qui sont ici présents, je salue cordialement tous les confrères évêques qui sont venus nombreux, tous les frères prêtres qui sont ici présents, les diacres, les 90 représentants de communautés religieuses, 90 communautés religieuses qui sont représentées parmi nous ce soir, tous les fidèles laïcs, agents de pastoral, RSE, tous ceux et celles qui sont engagés dans le diocèse et dans la société civile. Alors, nous sommes réunis avec joie ce soir. I am happy to welcome you in our cathedral dedicated to Mary, Mother of God and Mother of the Church. La célébration de notre fête patronale revêt ce soir un caractère particulier. Alors que Mgr Gazaille et le cardinal Turcotte, l'un et l'autre, ont travaillé à Montréal avec un même amour, une même disponibilité et une même passion, celle de bien servir le Christ et l'Église. Je vous invite à leur exprimer dès maintenant votre attachement, votre affection et votre reconnaissance en les applaudissant avec moi. Vous pouvez vous asseoir. J'invite maintenant Sœur Lorraine Caza, CND, membre du Conseil diocésain de pastoral, à rendre hommage en notre nom au cardinal Turcotte. I now invite Sister Lorraine Caza, CND, a member of the Diocesan Pastoral Council, to say a few words on our behalf to Cardinal Turcotte. Éminence. Pasteur émérite, frère et ami dans le Christ Jésus. C'est à un très grand moment dans la vie de l'Église de Montréal que nous avons été convoqués ce soir. Nous, tous et toutes, qui avons le privilège et la responsabilité de vous exprimer la reconnaissance de tous les disciples de Jésus dont vous avez été le pasteur, depuis ce 25 avril 1990, alors que vous inauguriez votre ministère en cette basilique cathédrale. À l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, le 7 octobre 2009, devant des personnes de tous les milieux du diocèse que vous aviez réunies à la fois pour faire le point sur le projet pastoral 2003-2008 et pour le relancer, vous avez adressé cet inoubliable cri du cœur. Je la vois, je la trouve belle, l'Église de Montréal, qui se construit de jour en jour, grâce à vous tous qui êtes ici et grâce à tant d'autres qui n'y sont pas. Comme pasteur de cette Église, vous ne vous considériez pas appelé à gérer une décroissance, mais à veiller à la fidélité de la communauté que nous formons. Et vous aviez à le faire à un moment de l'histoire où, disiez-vous, il est très difficile de décrire avec précision le visage de cette Église qui sera engendrée à travers le mystère de la Pâque que nous sommes en train de vivre. Quand vous avez prononcé ces paroles,
19 ans s'étaient écoulés depuis le jour de l'inauguration de votre ministère comme pasteur du diocèse dans la puissance du bon et unique pasteur. Dans ce discours inaugural, vous vous perceviez comme chaînon d'une chaîne ininterrompue reliant chaque église particulière à l'église primitive, au collège des 12 apôtres, sous l'autorité de Pierre, à Jésus-Christ, son divin fondateur. Vous vous voyez comme homme chargé de veiller sur la fidélité à Jésus, à son message, à toute l'Église. I don't think that you ever lost sight of the responsibility entrusted to you as link in an uninterrupted chain, nor as guardian of our faithfulness. J'ai médité attentivement votre discours inaugural de 1990, comme aussi votre esquisse de l'avenir, tel que vous le discerniez 17 mois plus tard, soit le 1er octobre 1991, en la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Déjà, vous y évoquiez les grands thèmes qui mobilisent aujourd'hui l'Église universelle. Rassemblement du peuple autour de la parole de Dieu, sentiment de l'urgence de nous engager tous et toutes dans une nouvelle évangélisation, souci d'appeler les gens à renouveler leur foi en trouvant une meilleure façon d'en articuler le contenu, bien sûr, mais surtout en vivant en témoins authentiques de leur credo au niveau de leur vie quotidienne. Déjà en vos premiers messages, mais également tout au long des 22 ans de votre service de pasteur, vous avez réitéré votre désir d'une Église fraternelle et communautaire, ouverte, où accueil, tolérance et respect mutuel seraient soigneusement cultivés. Le témoignage constant de votre proverbiale simplicité, de votre approche joyeuse de la vie, servir le Seigneur dans la joie, de votre facilité à prendre contact avec gens de tous horizons et à encourager le ensemble de la vie croyante, donnait déjà un puissant coup d'aile à votre désir. The church of your dream for Montreal would be open to all churches claiming Christ, to any person who believed in God and promoted justice, to people committed to a human ideal. It would be such that brothers and sisters from other countries and other cultures would feel welcome. Vous m'aviez raconté un jour comment Jean Drapeau vous avait prié de ne jamais oublier qu'avant d'être Québécois ou Canadien, vous étiez Montréalais. Je crois qu'il serait heureux ce soir de vous dire « Mission accomplie, Éminence ». Remontant beaucoup plus loin dans le temps, j'aurais le goût de demander au fondateur de cette ville-Marie qui allait devenir Montréal, s'ils reconnaissent dans votre leadership pastoral quelque chose du rêve qu'ils portaient en 1641. J'aime penser qu'ils retourneraient à deux affirmations clés du texte impressionnant où ils avaient articulé les véritables motifs des messieurs et dames de la Société Notre-Dame de Montréal. Ils espéraient, et je cite, « de la bonté de Dieu, de voir une nouvelle Église imitant la pureté et la charité de la primitive. » Et il s'agissait pour eux de faire célébrer les louanges de Dieu en un désert où Jésus-Christ n'a jamais été nommé. Mais on a,
Jeanne Mance, la cofondatrice, Marguerite Bourgeois, ont porté ce rêve ici même. Et en scrutant l'expérience vécue par un grand nombre de baptisés, engagés en Église depuis les tout premiers préparatifs du synode diocésain, je crois déceler une même passion dans les orientations pastorales que vous avez proposées le 28 avril 1999. Vous convoquiez les différentes communautés que nous formons à proposer la foi en Jésus-Christ, à célébrer cette foi et à rendre grâce pour le don de Dieu, à être missionnaire au service du monde, à être ouverte, accueillante, fraternelle, à vivre une véritable co-responsabilité. Il y a 9 ans ce soir, jour pour jour, soit le 31 mai 2003, vous promulguiez le projet d'éducation de la foi qui devait alors servir de guide pour les 5 années suivantes. Proposez aujourd'hui Jésus-Christ. J'entends Marguerite Bourgeois vous dire avec enthousiasme combien ce projet missionnaire avait couleur et saveur de visitation. Cette saveur et cette couleur, on les détecte dans l'insistance sur les attitudes d'écoute et de rencontre, dans les merveilleux 3 points d'ancrage du projet. L'Esprit nous donne rendez-vous chez nous, la rencontre avec Jésus-Christ, cœur de la bonne nouvelle. Nous sommes tous et toutes responsables d'annoncer et de catéchiser. Cette saveur et cette couleur, je les reconnais aussi dans la perspective dite de cheminement, où on pense moins en termes de cours que de parcours, où sans négliger la sacramentalisation, on table sur une initiation à la vie chrétienne, où on pense formation pour tous et toutes, et non exclusivement pour les enfants. C'est une bienheureuse coïncidence qui vous a amené à changer la fête patronale du diocèse du 22 août au 31 mai. Marguerite Bourgeois vous remercie, car elle, la mère de la colonie, avait conçu toute sa mission d'éducatrice, et plus particulièrement d'éducatrice de la foi, en s'inspirant de Marie en sa visitation à Élisabeth. Mystère qui évoque cheminement, rencontre, écoute dans la mutualité, être avec. Ce mystère, il continue d'éclairer la relance du projet de 2009. Est-ce votre testament pastoral que vous avez livré ce 7 octobre 2009 lorsque vous nous avez appelés à être non pas lumière qui éblouit, mais lumière qui interpelle, fascine et attire dans la nuit, à être Église plus pauvre, mais plus évangélisatrice puisque la puissance de Dieu s'y déploiera dans notre faiblesse. Église existant, non pour sa survie, mais pour la vie et le service du monde. Église en projet, en gestation, où mort et vie se côtoient. Dites, Éminence, est-ce que je fais erreur en vous prêtant ce soir vos 2 questions du 7 octobre 2009? Va-t-on nous accuser de rêver trop grand? Va-t-on chercher à étouffer notre espérance? Dans la ville des 2 Marguerite, de Mère Émilie Gamelin, de Mère Marianne et de tant d'autres, il y a l'humble portier, le frère André. Quand vous parlez de lui, j'ai l'impression d'entendre un complice qui l'a bien compris. Vous êtes-vous reconnu dans sa simplicité, dans ses origines modestes et fortes, dans son style direct, dans sa foi et sa prière si proche de la vie?
dans sa proximité avec les pauvres, dans son service infatigable. Ce ne doit pas être un hasard que vous ayez glané dans ses pensées cette pensée. L'artiste, c'est avec les plus petits pinceaux qu'il fait les plus beaux tableaux. Thank you, Eminence, for being pastor to all of us. Merci d'avoir été un pasteur simple et courageux, un disciple de Jésus qui tient bon dans la tempête. Par vous, le lien de l'Église de Montréal à Pierre, à l'Église du Québec, à l'Église canadienne et à l'Église universelle fut franc, solide, cordial. De cela aussi, nous sommes reconnaissants. Et que Notre-Dame de Ville-Marie continue de vous accompagner sur vos chemins de visitation. Merci, Sœur Lorraine, pour ces paroles pleines d'intelligence et de cœur. Pour la remise d'un cadeau symbolique, j'invite maintenant Marthe Duhamel, qui est une amie du cardinal depuis les débuts de son implication dans les mouvements d'action catholique et qui accueille encore aujourd'hui le cardinal lorsque celui-ci va à Val-Marie. Et j'invite en même temps l'abbé Bruno Toupin, qui a été secrétaire du cardinal. Marthe Duhamel présente une statue en pierre. Non, elle va présenter plutôt un tableau. Alors, c'est un tableau peint par M. Marcel Ravary, un artiste né à Montréal et qui a étudié à l'École des beaux-arts. Cette œuvre à l'huile porte le nom Rue Garnier. Et alors, ce tableau rappelle la rue du quartier populaire du Plateau Mont-Royal où le cardinal a vécu. 25 ans il a vécu sur la rue Garnier. Et maintenant, l'abbé Bruno Toupin va présenter une statue en pierre du Bon Pasteur, une statue qui a été créée par les moniales de Bethléem. Maintenant, avec Marie de la Visitation, rendons grâce à Dieu en chantant le refrain de notre prière. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte dans les grâces. Magnificat, magnificat.
Maintenant, nous voulons dire un grand merci à Mgr André Gazaille. Et alors, j'invite Mgr Roger Dufresne, vicaire épiscopal de la région sud-ouest et ami de longue date de Mgr André Gazaille, de lui dire quelques mots de remerciement. Mgr Roger Dufresne, Episcopal Vicar for the Southwest Region of the Diocese, will now say a few words of thanks to his long-standing friend, André Gazaille. Mgr Dufresne. C'est pas souvent que je l'appelle Mgr André Gazaille. Mgr André Gazaille, évêque de Nicolette, cher pasteur, cher ami, le cardinal t'appelait le grand Gazaille. On sait pourquoi. Alors, on se rappellera volontiers ton passage dans Hochelaga-Maisonneuve à la paroisse Saint-Rédempteur. Il y a des gens ici de Saint-Rédempteur et avec l'équipe de la pastorale scolaire. Que de belles expériences nous reviennent à la mémoire. Pendant 27 ans, tu as œuvré à la paroisse des Saints-Martyrs canadiens. Le projet NIP, Nouvelle image de la paroisse, a dynamisé ton action pastorale avec ses 8 visites paroissiales annuelles. Il y a des gens de Saint-Martyrs ici. Et ses 22 groupes de partage de foi. Ton ministère s'est étendu aux paroisses de la Visitation et de Saint-Antoine-Marie-Claret. Ton dynamisme pastoral a été à la source de ton appel à l'épiscopat. 40 ans de service au service de l'Église de Montréal, ça passe vite. Au cours de ces 40 ans, nous avons apprécié ton dévouement, ton amour de la parole de Dieu, ton très grand intérêt pour la famille et la jeunesse, dont tu as été vicaire épiscopal comme évêque auxiliaire, et ton désir de vivre des célébrations liturgiques signifiantes. Au cours de ces 40 ans, nous avons découvert un homme de prière et de foi profonde, une personne qui ne voulait pas en rester à de belles paroles, mais qui agissait. Un prêtre soucieux de faire grandir spirituellement personnes et communautés. Au cours de ces 40 ans, nous avons perçu ton attachement à l'Église communion, ton humour de pince sans rire, ta fidélité à l'Église, ton souci de travailler en équipe, ta prudence et ta capacité de se questionner. Ce soir, nous te remercions de ce que tu as été pour nous et de ce que tu as fait pour et avec nous. Que l'Esprit de Pentecôte continue de t'accompagner dans ton nouveau ministère que tu as commencé depuis septembre dernier. Merci encore. Pour la remise d'un souvenir, j'inviterai maintenant deux collègues impliqués à Mission Jeunesse, Chantal-Laure Fanius et Vincent Lowe, à se présenter. Alors, c'est une reproduction d'une icône du Christ que Mgr Gazaille lui-même avait présentée lors d'une session de formation
pour le temps de carême. Maintenant, encore une fois, avec Marie de la Visitation, rendons grâce à Dieu en chantant le refrain du chant du Magnificat. J'inviterai maintenant Mgr Michel Parent, chancelier du diocèse, à accompagner le cardinal pour la signature du registre à l'occasion de la fête patronale. Nous venons d'évoquer ce qu'ont été à Montréal le ministère du cardinal Turcotte et celui de Mgr Gazaille. Tout est loin d'avoir été dit, mais il en a été assez dit pour que nous rendions maintenant grâce à Dieu et lui disions merci. Merci pour ce qu'ont accompli, ce que sont devenus ces deux Montréalais, ordonnés prêtres puis évêques dans notre diocèse. Disposons-nous à bien célébrer l'Eucharistie en faisant mémoire de notre baptême. May this water be for us a memorial of the baptism we have received. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia! Tout ce que lave, c'est tous seront sauvés et chanteront. Alléluia! Alléluia. Alléluia.
donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Émerveillés de ce que Dieu est, de ce qu'il fait en nous et par nous, chantons sa gloire. Oh,
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Parole du Seigneur. Among you is the great and holy one of Israel. Among you is the great and holy one of Israel. Surely God is my salvation. I will trust and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my might. He has become my salvation. With joy you shall draw water from the wells of salvation. Among you is the great and holy one of Israel. Give thanks to the Lord, call on his name. Make known his deeds among the nations. Proclaim that his name is exalted. Among you is the great and holy one of Israel. Sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let this be known in all the earth. Shout aloud and sing for joy, O Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Among you is the great and Holy One of Israel. Votre cœur, vous tous.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham, de sa race, à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Pour me préparer pour l'homélie, j'ai utilisé les mêmes textes que Sœur Lorraine Cazard a utilisés pour son mot de remerciement. Ça va peut-être paraître un peu. Chers amis, j'ai bien aimé ce qui a été dit de mes deux confrères évêques au début de notre célébration. Ils ont accompli avec cœur, avec compétence et dans un esprit de service la mission qui leur avait été confiée. Le diocèse ne saurait les oublier et ne les oubliera pas. Ce qu'ils ont semé a été évoqué. C'est un héritage qu'ils nous lèguent et qui est à faire fructifier. La vie de l'Église, celle de l'Église partout répandue dans le monde, mais aussi celle d'une Église diocésaine,
peut être considéré en pensant aux quatre saisons : printemps, été, automne, hiver. À sa manière, chacune de ces quatre saisons est au service de la vie. In her long history, the church has gone through the four seasons many times. She has faced winters and experienced spring times. She has lived through summers and falls. Son sort n'a pas été et ne devait pas être différent de celui qu'elle veut servir et pour qui elle existe. Jésus a été admiré, mais il a aussi été conspué et rejeté. On est venu à lui, mais on lui a aussi tourné le dos. Il a été acclamé le jour de son entrée à Jérusalem et condamné quelques jours plus tard. Nous ne devons pas rêver d'une Église toute tranquille, toujours célébrée, toujours écoutée, jamais malmenée, jamais contestée. Cette Église-là n'existe pas. Et si elle existait, elle ne serait pas l'authentique Église du Seigneur Jésus qui a été mise en croix. Il le fallait. Il fallait la souffrance et la mort. Il fallait l'angoisse et le rejet, selon l'Écriture, pour que le visage de Dieu le Père et sa miséricorde soient pleinement manifestés. Il fallait tout cela pour que le signe du plus grand amour soit donné. Il le fallait pour que soit un jour annoncée la plus grande de toutes les bonnes nouvelles qui ont pu retentir dans le monde. Christ, put to death, was brought back to life. Jesus, the crucified, has become the risen Lord. It is for us and for all of humanity that he laid down his life. It is for us and for all humankind that he is alive forevermore. L'Église a souvent été comparée à une barque qui avance sur les eaux. Parfois, les eaux sont tranquilles. D'autres fois, elles sont agitées. Il arrive qu'elles soient très agitées. Dans tous les cas, l'Église compte à bord celui qui a promis d'être avec elle jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ. Dans la barque, quelqu'un tient le gouvernail. À Rome, c'est le pape. Dans un diocèse, c'est l'évêque. The cardinal to whom we pay homage this evening often said that he needed good collaborators in order to accomplish his mission. This is so true. He also knew that the waters and the paths of which Christ leads this church are not always the ones that his disciples would have imagined or wished for. Jesus Christ is the master, his disciples are his servants. Parce que l'Église est insérée dans un monde changeant, ses projets et ses planifications doivent être réajustés, renouvelés selon les circonstances et les appels nouveaux qui se font entendre. Mais il y a des priorités qui, évidemment, ne doivent jamais être biffées de notre agenda ecclésial parce qu'elles sont inscrites en lettres d'or dans les Évangiles. L'annonce de Jésus, crucifié et ressuscité, en est une. Le souci des plus démunis, l'amour du pauvre, en est une autre. L'amour entre frères et sœurs, entre riches et pauvres, entre pasteurs et fidèles, en est aussi une autre. De plus, chaque jour, nous devons nous mettre à l'écoute attentive de la parole de Dieu, afin de discerner de quelle manière elle ne cesse de nous interpeller. We have listened and meditated on the biblical text proclaimed on our feast day more today. However, this year I was particularly struck by their pertinence and relevance. Que votre amour soit sans hypocrisie, nous dit l'apôtre Paul. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Laissez jaillir l'esprit. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin.
Bénissez ceux qui vous persécutent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Quel bon conseil à suivre pour que notre action pastorale porte du fruit. Puis il y a ce splendide évangile de la Visitation qui nous a rappelé que Dieu se plaît à manifester sa présence et à donner des signes de ses bienfaits et de ses hauts faits lorsque se rencontrent ceux et celles qui l'aiment et vivent pour lui. Constatant ce que Dieu accomplissait en elle et en Élisabeth, sa cousine, Marie éclata de joie. Elle se mit à rendre grâce à ce Dieu en qui elle s'était abandonnée en toute confiance. Rendre grâce, c'est ce que nous faisons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Faisons-le ce soir en pensant tout particulièrement à ce que nous avons vécu en compagnie du cardinal Jean-Claude Turcotte et de Mgr André Gazaille. Faisons-le en pensant au temps présent que nous avons à vivre. Il est un don de Dieu. Faisons-le en pensant aussi aux jours qui viennent. Si nous nous appliquons à les vivre dans l'espérance, ne pouvons-nous pas en rendre grâce dès maintenant? Rendre grâce pour hier, pour aujourd'hui et pour demain, c'est une des caractéristiques de toute Eucharistie. Et avec l'enthousiasme des apôtres, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite, Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. I believe, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Prions Dieu maintenant et avec confiance, n'hésitons pas à beaucoup lui demander, il est notre Père, il veut notre bien et notre bonheur, que l'Esprit-Saint prie en nous et avec nous. Preghiamo per il cardinal Jean-Claude Turcotte et per Monsignor André Gazaille. Che Dio li conservi nella sua pace e nella sua gioia. Che il Signore consenta loro di proseguire con forza fino alla fine la missione ad essi affidata. Che il loro lavoro porti frutti desiderati. Ensemble prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người trong giáo phận chúng ta và trên toàn Quebec biết làm chứng nhân và yêu mến Đức Giêsu Kitô và tin mừng.
Ước gì càng ngày họ càng thêm đông đảo, hăng say làm việc thiện và biết quan tâm làm chứng nhân của niềm hy vọng. Ensemble prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades. Prions pour les personnes appauvries et celles qui sont privées du nécessaire. Prions pour les femmes et les hommes incompris, méprisés, rejetés. Prions pour tous les gens malheureux. Que Dieu se rapproche d'eux et leur vienne en aide, qu'il nous donne de le faire, nous aussi. Ensemble, prions le Seigneur. Para que o amor de Deus seja revelado aqui e em todo o mundo, para que todas as pessoas de boa vontade se deem as mãos para a construção de um mundo cada vez mais fraterno, cada vez mais justo e mais solidário. Ensemble prions le Seigneur. Almighty God, listen in kindness our prayers and grant, we pray, that what we ask in faith may be truly obtained. Through Christ our Lord. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as aimé, Seigneur, l'empressement de la Vierge Marie. Accepte aussi avec bonté le sacrifice que nous offrons pour notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la visitation de la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. For truly, even towards ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the lowliness of your handmaid, you gave us through her the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. And so, having called us to your table, Lord, confirm us in unity, so that together with Benedict the 16th, our Pope, Christian, our Archbishop, with all bishops, priests, and deacons, and your entire people, as we walk in your ways with faith and hope, we may strive to bring joy and trust into the world. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the peace of your Christ, and all the dead whose fate you alone have known. Admit them to rejoice in the light of your face, and in the resurrection give them the fullness of life. Lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les mains que nous tendons vers le Père pour prier sont les mêmes que nous tendons pour construire la paix, sont les mêmes que nous tendons aux malades, aux pauvres de toutes sortes. En toute confiance, tendons nos mains vers le Père et disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis fatigué de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous vous prions d'attendre que les ministres de la communion soient tous en place avant de vous avancer pour recevoir l'Eucharistie. Please wait until the Eucharistic ministers are in place before coming to receive communion.
lumière de nos cœurs, venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Le bonheur de nos vies s'est fait Dieu avec nous. Il a pris nos chemins pour parler à nos cœurs. Il est venu combler les ravins de nos peurs. Oh, venez voir, venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Le bonheur de nos vies est un enfant Messie, le Fils du Tout-Puissant à l'ombre de l'Esprit, caché aux yeux des grands, révélé aux petits. Oh, venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Le bonheur de nos vies, Jésus ressuscité, nous mène vers le Père, il est le bon berger. Heureux ceux qui espèrent en son éternité. Oh, venez voir, venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Prions le Seigneur, que ton Église te magnifie, Seigneur, pour tant de merveilles. Comme Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse en discernant le Christ avant sa naissance, qu'elle accueille avec joie dans l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, suite à cet hommage, ces remerciements à l'action de grâce eucharistique que nous venons de vivre, je suis certain que nous serions tous très heureux d'entendre nos jubilaires nous dire quelques mots. Monsieur le cardinal, maintes et maintes fois et dans toutes sortes de circonstances, vous nous avez adressé la parole ici, dans votre cathédrale. Mots d'encouragement, mots de soutien, mots de réconfort. Paroles de foi, d'espérance et d'amour. Vous qui avez guidé l'aventure de l'Église qui est à Montréal pendant 22 ans, vous qui avez été pour nous le pasteur inspiré du bon pasteur,
Je vous invite maintenant à nous adresser la parole. Je n'aimerais pas toute Paris la hiérarchie. J'aime autant dire, commencer en vous disant, chers amis, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je reçois ce soir vos hommages. C'est un long règne, 22 ans comme évêque du diocèse, 8 ans auxiliaire, 53 ans comme prêtre. Comme preuve que je ne suis pas un jeune homme, André Gazaille a servi comme servant de messe à ma première messe. Il était presque aussi grand que maintenant. Alors, je tiens à remercier d'abord le Seigneur pour ces années qui ont passé trop vite, mais vous dire aussi que ce qui m'anime ce soir, c'est un sentiment de reconnaissance et de gratitude pour toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette équipe, de cette belle Église de Montréal. Vous savez, un évêque, c'est lui qui occupe la première place en avant, mais il ne serait rien sans le travail de centaines, de milliers de personnes qui, au nom de Jésus-Christ, annonce l'Évangile. Et c'est à eux que je suis redevable ce soir. Bon, j'ai fait ma petite part, le moins mal possible, je l'espère, mais j'aimerais pouvoir nommer toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces prêtres, tous ces diacres, ces séminaristes, ces religieuses, ces religieux, qui ont bâti cette Église. Vous savez, l'Église de Montréal, c'est un peu mon hobby, moi, d'étudier son histoire. Et je suis heureux de dire que cette Église a eu des évêques chicaniers, certains ont été discutés, d'autres sont partis plus vite, d'autres sont restés plus longtemps. Mais tous ont travaillé avec des femmes absolument remarquables. Sœur Lorraine, tantôt, en a nommé quelques-unes. J'aimerais moi aussi en énumérer quelques-unes. Jeanne Mance, que je considère moi aussi comme la fondatrice. On dit co-fondatrice parce que Maisonneuve, il était un peu comme un évêque, c'est lui qui paraissait en avant. Mais s'il n'y avait pas eu Jeanne Mance en arrière, je ne suis pas sûr qu'il aurait fallu qu'il parte plus vite qu'il n'est parti. Et je remercie la ville d'avoir su reconnaître les mérites de Jeanne Mance. Alors, on parle des deux Marguerite, de Marguerite Duville, de Bourgeois, qui est arrivée quelques années plus tard, de Marguerite Duville, et de ses nombreuses saintes. Vous savez, quand j'ai été nommé évêque, la première congrégation, quand j'ai été fait cardinal, que le pape m'a donnée, ça a été la congrégation des saints. Je me suis posé la question, franchement, pourquoi qu'ils me nomment là? Je n'ai pas la prétention d'être un saint, ni de connaître grand-chose dans la sainteté. Mais à travailler dans cette congrégation, je me suis aperçu que le diocèse de Montréal et le diocèse de Québec aussi, tiens à le mentionner, sont parmi les diocèses au monde qui ont plus de candidats et de candidates surtout à la sainteté à travers le monde. Alors, j'imagine que c'est ça qu'ils ont considéré, beaucoup plus que ma sainteté personnelle, qui, bien humblement, n'est pas très grande. J'ai encore du chemin à faire. Alors, je vous remercie tout le monde de votre collaboration. Un merci tout spécial aussi à l'équipe qui a travaillé avec moi à l'évêché.
Vous savez, j'ai demandé des gros sacrifices à des prêtres, à des laïcs, qui ont laissé un travail à la base où ils étaient, pense, plus heureux qu'au niveau diocésain. Mais j'avais besoin d'eux pour essayer de donner un tonus à cette Église, pour essayer de passer à travers les difficultés que nous devons traverser dans la joie et surtout dans l'espérance. Alors ce soir, je les remercie. Il faut croire que je n'ai pas trop mal choisi mes collaborateurs parce qu'ils m'en ont enlevé quelques-uns comme évêque. Hein? C'est presque un conventum de Montréal, les confrères qui sont ici ce soir. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont de Montréal. Alors, merci pour vos gentillesses. Je demeure avec vous. Sœur Lorraine vous a fait cette confidence que m'avait déjà indiqué le maire Drapeau. Vous et moi, on n'a pas le choix. On est d'abord Montréalais. Je tiens à le rester. Je suis heureux ici. Je suis heureux avec vous. Et je continuerai à l'être tant que Dieu me prêtera la santé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Cardinal. Monseigneur Gazaille, on vient de le dire, vous avez fait vos classes ici. Pasteur à la suite du bon pasteur en paroisse, puis évêque auxiliaire au service de la famille, de la jeunesse et de la liturgie, avant de nous quitter il y a quelques mois pour le service de l'Église qui était à Nicolette. Je vous invite maintenant à nous adresser la parole. Je tiens à remercier Mgr Lépine de m'avoir associé à cette soirée qui est tout en hommage au cardinal Turcotte, ce qui est bien normal, après 30 années. Ma contribution au diocèse est beaucoup plus humble, mais je suis très heureux d'être avec vous tous ce soir. 40 ans comme prêtre à Montréal, dont 35 comme dans les paroisses, la plupart du temps comme curé. C'est 40 ans, dans le fond, de bonheur. Je ne peux pas dire que j'ai été une seule journée, je pense, malheureux à Montréal. Dans les paroisses où j'ai été tellement bien entouré, j'en reconnais, il y en a de toutes les paroisses, la cathédrale compris, évidemment, qui était la dernière. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui, dans le fond, m'ont permis de devenir le prêtre que je suis, puis aussi me préparer peu à peu peut-être à être évêque. Je tiens à remercier aussi M. le cardinal Turcotte de son accueil au diocèse. Ce n'était pas tout à fait mon monde, comme on pourrait dire. Je n'étais pas tellement habitué, au travail du diocèse, avec des petits liens avec le fils de la famille, mais j'étais tellement bien accueilli et on m'a confié des tâches qu'on a nommées tout à l'heure, c'est tellement belle, la jeunesse, la famille, la liturgie. J'ai eu beaucoup de bonheur et de plaisir durant ces années qui, je pense bien, m'ont préparé peu à peu au poste que j'ai maintenant comme évêque de Nicolette. J'apprends à devenir Nicolétain. D'autant plus que ça prend beaucoup d'années pour devenir Nicolétain. Dans les paroisses rurales, comme Nicolette en est une, il faut presque être né à Nicolette pour être Nicolétain, mais j'apprends peu à peu à le devenir. Et j'apprends aussi à
j'apprends à être proche des gens. J'apprends à les connaître, j'apprends à les découvrir, ce que j'ai fait ici à Montréal. Je me rends compte que tout ce que j'ai vécu ici me permet d'être, je dirais, j'espère, le meilleur évêque possible, là où le Saint-Père m'a envoyé. Alors, je tiens à remercier toutes ces personnes qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont permis d'être ce que je suis. On devient prêtre avec les gens. On devient évêque aussi avec les personnes. Alors, je quitte le diocèse, déjà depuis un petit bout de temps, mais si on quitte un diocèse, on quitte pas les personnes qu'on a aimées, qui nous ont aimées, et aussi avec qui j'ai eu la joie de travailler. À toutes ces personnes, merci. Maintenant, pour prolonger la fête, nous sommes tous et toutes invités pour un léger goûter dans le grand hall du 1000 de la Gauchetière, tout de suite derrière la cathédrale. To continue this evening's festivities, refreshments will be served in the grand hall, 1000 de la Gauchetière. Everyone is welcome. Le Seigneur soit avec vous. L'Esprit donne corps à Jésus. Il l'a fait en Marie, qu'il a pris sous son ombre. Il le fait aussi dans l'Eucharistie et dans l'Église. Vous qui avez reçu son souffle, allez à votre tour donner corps au Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.